priori, j'ai pas comment dire, une inclination particulière pour Modigliani, mais ce bleu qui était au milieu de la toile, hein, qui prend pratiquement tout l'espace de la toile, la blouse bleue en fait que porte le modèle Moïse Kissling, c'est ça qui m'a donné envie d'y aller en fait. Hein. Et je me suis intéressé non pas trop à Modigliani, mais plus au modèle, c'est-à-dire à Moïse Kissling, qui était pour moi la représentation un peu monumentale de la bonté. Effectivement, quand on fait des recherches, on se rend compte que Moïse Kissling était un type très très généreux, qui par rapport à ses amis, dont Modigliani, avait pas mal d'argent et il faisait profiter un peu de ses largesses tous ses copains. Donc j'ai travaillé là-dessus en m'intéressant particulièrement à ce que montrer la toile. Et pour moi, c'était d'abord, c'est venu spontanément, c'est le titre d'ailleurs du texte, un sentiment comme ça qui émanait du personnage, une bonté bleue. Une bonté bleue, la bonté qui était transcrite un peu par ses deux mains qui étaient posées très haut sur les cuisses, et puis surtout ce carré de ciel au milieu de la toile. Et une des raisons qui m'a fait accepter ce travail, c'était justement de pouvoir, pour la première fois peut-être, écrire un texte qui soit lumineux. Voilà. J'écris par ailleurs des choses plutôt ténébreuses, interrogeant les origines, le chaos. Et là, j'avais l'occasion de m'attarder sur une sorte de lumière intérieure qui émanait en fait de ce portrait. Parler de sa méthode, c'est aussi de portraitiste, c'est synthétiser finalement tout son art, qui est un art à la fois très informé des développements de l'avant-garde. C'est quelqu'un qui a regardé le cubisme, qui s'est beaucoup inspiré de Cézanne, qui a regardé les fauves également. Et en même temps, qui a apporté un style très personnel. On a souvent dit qu'il avait beaucoup aimé Whistler, ce peintre américain dans la mouvance post-impressionniste. Et Whistler, justement, était un grand portraitiste avec cette même tension qu'il y a aussi chez Modigliani entre la ressemblance, finalement, comment rendre le modèle présent, qu'on ressente finalement l'identité du modèle, et en même temps, un grand styliste, un styliste de l'art pour l'art, quelqu'un qui n'oublie pas que le tableau, c'est d'abord de la peinture. Et chez Modigliani, il y a constamment cette tension que l'on voit vraiment bien dans ce très beau tableau de Kissling, où à la fois la personnalité de Kissling, son caractère presque paysan, qui ressort dans ses grandes mains placées comme ça en avant de sa vareuse, même sa tenue, sa coupe de cheveux étrange, son masque assez étonnant. Donc on ressent vraiment la présence d'une personnalité qui ne ressemble à aucune autre. Et en même temps, par la dimension justement du jeu des couleurs complémentaires, cette vareuse d'un bleu très intense qui vient s'opposer aux orangés du tableau, c'est vraiment un très 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 beau tableau. Et encore une fois, j'aime dans ce tableau la manière dont il résume avec beaucoup de force et beaucoup de finesse, bien sûr, le Modigliani coloriste, le Modigliani sculpteur, le Modigliani très informé de l'avant-garde et en même temps le Modigliani fin psychologue, puisqu'il arrive à rendre à la fois dans son mystère, son opacité et son éternelle présence ses amis peintres et artistes.